ici Alain Cadieu, vous écoutez Bébé Luga, l'éphémère, la télévision communautaire de Saint-Jean-Port-Joli. Cette semaine, à qui est la princesse Haïti? Marguerite Petit-Bateau, Mademoiselle Miss Haïti Régale Frites Dorées, qui est candidate au titre de Mademoiselle Miss Patate Frites Internationale 2007. Marguerite Petit-Bateau est étudiante au doctorat en sciences politiques, à qui est la princesse? Et la question est la suivante. L'indépendance du Québec, en quelle année et comment? Je pense que... Bon, d'après ce que j'ai entendu, ok, ou ce que je vois à la télévision, je pense que d'ici 2069, le Québec pourra devenir, bon, peut-être pas la force des choses, un pays souverain. D'ici 2069, sans aucun effort. Et les Torontois en auront assez un jour. Je dis en aura assez parce que ils en auront assez de voir leur méga ville servir de vache à lait du Canada. Ils seront tout aussi fatigués des sempiternelles revendications du Québec, tout ça, qui menacent toujours de séparer sans vouloir le faire vraiment. Des revendications tout le temps, mais ils veulent toujours se séparer, mais jamais, c'est pas vrai. Mais au fond, c'est pas ce qu'ils veulent. Mais quand le vase sera plein, les Torontois font partie d'eux-mêmes du Canada. Donc je peux dire ça par la force des choses. Le reste de l'Ontario va demander aux États-Unis d'être annexé à l'État du Michigan afin de former le maxi-État des Gonaques. Il y a aussi le Manitoba, le Saskatchewan, et ils vont aussi suivre le courant. Et pour suivre le courant, ils passeront en bloc à l'État du Michigan. Tandis que il y a aussi les voisins, ses voisins à l'ouest, la Delta, la Colombie-Britannique, ils vont se fusionner pour former un seul État, ou bien un seul pays baptisé Algo et compagnie. Algo et compagnie. Algo et compagnie, c'est ça. Et puis les provinces, les maritimes? Les provinces des maritimes, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse se jetteront comme par enchantement. Ils vont se jeter dans les bras de leurs voisins du Sud, d'État du Maine. Comme par enchantement, ça leur fera plaisir d'aller les trouver. Ils vont les jeter comme par enchantement. Et Terre-Neuve, même la Terre-Due, se proclamera son autonomie. Terre-Neuve va devenir indépendant. Il va proclamer son autonomie sous le nom de République of Newfoundland and Labrador. C'est long, ce nom, non? Pardon? C'est long comme nom? Bon. C'est long comme nom, mais c'est ça qui va se faire. Et à ce moment-là, il entrera dans le record Guinness. Il fera partie des records Guinness comme étant un pays ayant le nom le plus long, comme je vous le dis, et la plus petite population. Ah, ben oui. Qu'est-ce que vous pensez? C'est bon, c'est bon. Et puis, pour finir, le Québec restera seul au Canada. Les Torontois partiront. Le Québec restera seul. Et puis, le Québec-Canada deviendra ainsi un pays indépendant sans avoir à se séparer du Canada. Sans effort. Sans effort. Ça va être facile. Mais oui. Et puis, la nuit au long jour, la nuit au long couteau sera oubliée pour toujours.